Oh merde, Leïla, tu dois reprendre de la cyclosporine. Vite, Leïla, on se réveille. M'oblige pas à descendre. Leïla ? Leïla ! Oh, reviens ! Leïla, t'es avec moi ? Abiti ! Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Oui, mais si je veux attirer ton attention, je dois te mettre en rogne. Je fais attention. Bon, tu dois faire une pause. L'animus te rejette. Ah, t'inquiète. C'est pour tes reins que je m'inquiète. Augmente la dose de cyclosporine avant qu'il te lâche. Oui, madame l'infirmière. Non, oh, j'adore quand tu me traites d'infirmière. Alors, ça s'est passé comment? Mes modifs tiennent. Les mémoires du sujet sont parfaitement claires. Si ça ne convainc pas Abstergo de m'intégrer au projet Animus, rien ne le fera. Oh, super! Qui tu as là-dedans? Il s'appelle Bayek de Siwa. À la mort de son fils, c'est devenu un tueur. Il peut intéresser Abstergo? Arrête! Ils vont pas aimer la manière dont t'as géré cette mission. Ils savent que je me fous des règles. Peut-être bien, mais on peut dire que cette fois, t'as dépassé les bornes. Et ça n'aura plus d'importance si t'es dans le coma. Allez, va prendre cette cyclosporine. J'ai la cyclosporine. 2 cc devrait suffire. N'oublie pas de nettoyer à l'alcool. Une barre. J'aimerais être là pour t'aider. Tu m'aides déjà beaucoup, Diana. Même depuis l'hôtel. Et je sais que tu bosses mieux avec la clim. Montre-toi au jour, et je te guiderai chez toi. À qui tu parles? À la momie de Bayek. Un vrai moulin à paroles, celui-là. J'y retourne. Je kiffe trop ça. Sois prudente. Dis. Je me demandais si je devais te sortir de là. Ton adrénaline et ta tension sont élevées. Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux. En particulier la sérotonine et l'ocytocine. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans? Aya est là. C'est qui? La femme de Bayek. Je la sens, tout près. Tu la sens? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Une deuxième momie? Il faudrait le signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya. Si tu le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles. Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. D'accord. Là-bas. C'est quoi? L'effet de transfert me mène à Aya. Génial. Toi qui te prenais déjà pour un super-héros. Elle est en bas! C'est à moi de faire un saut de la foi. Un saut de quoi? Tu n'es pas en état de faire le moindre saut! Putain, ce que c'est froid! Alors, Miss Marvel? J'avais raison, elle est là! Oh, t'es là! Le ciel soit loué! Je sens déjà le goût du sang. Tu dérailles de plus en plus, Leïla. On doit faire notre rapport. Pas encore. Pas encore? Mais alors quand? Eh ben, pas facile de sortir d'ici. Je raconterai ton histoire. Qu'est-ce que tu fais, là? J'escalade. Et c'est dur. Alors, lâche-moi, tu veux? Bien. Préviens-moi quand tu seras en haut. J'ajoute l'ADN d'Aya dans l'animus. Le séquençage va prendre du temps. Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite. Leïla, il y a autre chose que tu dois savoir.
Comme tu mélanges des séquences de gènes sans respecter le protocole, la transition entre mémoires sera sûrement imprévisible. L'imprévisible, ça m'a jamais dérangé. Ah oui? Moi, ça m'inquiète. Tu t'inquiètes pour tout. Je te l'avais dit, la Nimitz n'a pas terminé d'interpréter l'ADN d'Aya. D'accord. D'accord. Il y a un fourgon dans la ruelle! Oh mon dieu! Un fourgon? Aya! Qu'est-ce que t'essaies de... Oublie Aya, tu veux bien? Abstergo est là! Ils ont dû découvrir que... Oh merde! Oh fuck! Dis! Oh. Non! Ils sont là aussi! Ok Leila, écoute, je te connais. Je sais que tu réussiras à t'en sortir. J'ai pris la lame que j'ai trouvée. Bien. تذكر عليك التخلص من الهدف. ثم استعدت الانيموس. Bon, ils ont clairement l'intention de me tuer. هل كان ذلك منك يا؟ Il faut que je les tue. C'est eux ou moi. لكن هذا Non. Va te faire foutre, Abstergo! J'irai jusqu'au bout! Si vous écoutez ceci, c'est que vous bossez pour Abstergo et que je suis morte. Alors soyez sympa. Faites en sorte que Sophia Rikin entende ça. Je rêvais de travailler sur le projet Animus. Ils m'ont fait poireauter pendant 12 ans. Ça ne m'a mené nulle part. Alors j'ai fabriqué un Animus qui accédait aux mémoires de n'importe qui, même hors de ma lignée génétique. J'ai même assisté à la naissance des assassins. Des artefacts, des tombeaux qu'on croyait légendaires, c'est moi qui les ai trouvés. En me tuant, vous avez perdu tout ce savoir. Je comprends pourquoi vous vouliez ma mort. Mais pourquoi avoir tué ma meilleure amie? Pourquoi est-elle... Oh, Abby, petit. J'aurais mieux fait de t'écouter. Abibti, j'aurais dû t'écouter. Abibti. Ces mots ne seront pas tes derniers. Putain, vous êtes qui? Ah! William Miles, ça te dit quelque chose? L'assassin? Donc tu me connais? Nous, les assassins, nous t'avons observé. Il est inhabituel pour un employé d'Abstergo de s'intéresser à une révolution. Là, vous n'avez pas tort. Nous avons suivi ton travail sur l'Animus. Étonnant ce que Diana et toi avez accompli. Dis. Ils t'ont menti. Hein. Sophia Rikin t'a fait tellement de promesses. Ça suffit! Je refuse de parler d'elle. Oui. Nous aurons des tas d'autres sujets à aborder d'ici Alexandrie. Si vous croyez que je vais venir avec vous... Eh bien, voyons tes autres options. Tu peux venir avec moi. Ou rester ici pour jouer la danse de la mort encore et encore, jusqu'à ce que tu commettes une erreur. Il te suffit d'en faire une seule. Tu ne peux pas revenir à ton ancienne vie, Leila. Je n'y comptais pas. Mais tu pourrais enfin travailler sur le projet Animus. Notre version, bien sûr. Et avec nous, tu seras toujours libre de faire les choses comme tu l'entends. Bien. Je suis partante. Ce qui ne veut pas dire que je rejoins votre camp. Je comprends.
Enfin. Waouh, c'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Direction l'an-431, le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, hé, Victoria, lis-le, ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Deimos. La forge. Je savais que je t'avais laissé trop longtemps dans l'animus. Tes signes vitaux ont une sale tête. Tu ne comprends pas. Ça confirme qu'au-delà de détenir une technologie Issou, Alexios avait les moyens de l'améliorer. Imagine la puissance que pourrait avoir ce bâton. Je reconnais que c'est peut-être une découverte majeure. Mais pour l'instant, en tant que médecin, je dois m'occuper de toi. Repose-toi un peu, avant de retourner voir Alexios. Bon, d'accord. Mais seulement parce que j'ai des choses à faire à l'extérieur. Vide-toi la tête. Je ne veux pas d'un chef de cellule atteint d'un effet de transfert. Sinon, tu vas nous planter avec une lance en pensant qu'on est des Hittites ou des Thraces. D'accord, d'accord. Mais les Thraces, c'est la classe. N'oublie pas qu'on est une équipe. On te soutiendra jusqu'à la fin de ton enquête. Je sais. Kiyoshi a sécurisé le loft hier et il garde un œil à l'extérieur. Alana fait des recherches historiques. Et moi, je suis là si tu veux parler ou si tu as le mal de l'animus. Thérapeute avant tout. Je vais aller me dégourdir les jambes. Dommage qu'on ait plus accès à la salle de gym d'Abstergo. L'abonnement coûte trop cher. Comment ça se passe là-bas? Bien. Aucune menace visible. Contente qu'on travaille de nouveau ensemble. Je crois que nos méthodes de travail sont compatibles. Merci de surveiller nos arrières, Kiyoshi. Je te laisse à ton travail. Si Abstergo se montre, je le signalerai. Je me demande si les jumeaux Fry reconnaîtraient Londres. Mais un toit, ça reste un toit. Tu es sûr de vouloir retourner tout de suite dans l'animus? J'ai l'impression que tu vas y rester un bon moment. Oui. Je suis prête à retrouver Alexios. Très bien. Je surveille tes arrières. Terra! On a trouvé l'Atlantide! L'Atlantide? Laisse-moi vérifier tes constantes. Tu délires ? On cherche un artefact Issou capable d'altérer la réalité. C'est ce qui te tracasse ? Ah, Pythagore est né vers moins 570. Ça veut dire qu'il aurait dans les 150 ans. Mais qu'est-ce qui aurait pu le maintenir en vie ? Le bâton d'Hermès Trismégiste. Misrasan, tu avais raison. Je vais t'aider à emballer le matériel. Merci. Allons-y. J'ai rejoint les coordonnées. Je devrais être au-dessus des grottes qu'on a détectées. Mon équipement est prêt. Je me prépare à plonger. Leïla, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Des requins, peut-être. C'est toujours mieux que des Templiers. Pour Abstergo, on ouvre l'œil. Bonne chance, Leïla. Merci. Bon, je descends, là. Il doit bien y avoir une entrée. Je vais la trouver. Là ! Ça doit être l'entrée. Vous me recevez toujours ? C'est un peu le monde du silence, ici. T'entends, Leïla. Merci. C'est juste que c'est... sépulcral. Tu n'es pas seule, Leïla. On suit ta progression. Tu t'en sors bien. Ouais, en cas de besoin, on est là. Dixit, l'assassin, derrière un bureau. Ah, pas besoin d'être à bord d'un bateau pour être utile. J'ai des tonnes d'informations sur la Grèce antique. Vous saviez qu'à Zakros, les Minoens avaient un cimetière si grand qu'on l'appelle la Gorge des Morts? On pourrait éviter de parler de morts. Alana, promets-moi que si je meurs ici, tu baptiseras cet endroit la Grotte des Morts. Compte sur moi. Je te jure.
Le loft à Londres va me manquer. J'aimais vraiment la vue. Te manquer? Tu ne pourras plus y retourner? T'as pas lu le mémo de Kiyoshi? Abstergo l'a passé au peigne fin. Il n'est plus fiable. Je faisais des recherches sur Terra. Kiyoshi, ça va comme tu veux? Oui, ça va. Après avoir sorti les derniers équipements, j'ai pris le temps d'observer leur opération à distance. Ils ont pris le cadeau que je leur avais laissé? Oui. Ils ont trouvé la clé USB, oubliée, sous le bureau. Bien joué. Personne chez Abstergo ne sera assez bête pour l'insérer dans un ordinateur. Pas besoin. C'est juste une coque avec l'un de mes émetteurs RFID. Il suffit qu'elle approche d'un poste de travail, genre au bureau du chef de la sécurité, et... Bam! Impressionnant. Routine de hackeuse. Waouh! C'est carrément plus élaboré que ce que je pensais. Comment ils ont fait pour construire ça? Je donnerais cher pour avoir une boîte à outils ici. C'est différent de l'Égypte. Il y a des éléments esthétiques communs, mais... Faut que je quitte cette tenue de plongée avant d'explorer. Tout est vrai. J'ai réussi. Leila, Altair 2, j'y suis. Vous avez un visuel? Oui! Par les dieux, Leila, c'est l'Atlantide! Comment tu te sens? Pas de nausée à cause du changement de pression? Non, ça va. Ces salles sont... incroyables. Réfléchis, Leila. Il doit y avoir un moyen. Quelque chose doit alimenter cet endroit. Je retourne dans l'Animus. Il faut que je voie comment Alexios a fait pour aller plus loin. Alexios. Nous n'aurions jamais dû en arriver là. Utilise ce bateau. Répare la faille de l'univers. Tout est en ordre. Alors, Sésame, ouvre-toi. Quelle puissance! Les nœuds sont interconnectés d'une manière que je ne pouvais pas imaginer. C'est plus complexe que tous les temples issus qu'on a découverts. Lisbonne, l'Arctique. J'enregistre tout, Leila. Tu vas devenir une légende pour avoir découvert ça. Tu vois le bâton quelque part? Pas encore. Il reste des choses à explorer. Je vais le trouver. Le mécanisme devrait être ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je vais consulter mes notes sur les issus. Ah, je vois. Il manque un faisceau lumineux. Reste à arranger ça. Leila, apparemment cette colonne peut bouger. Il semblerait que ces colonnes aient des miroirs. Ça y est! Où est-ce qu'il est? Le vrai savoir consiste à savoir qu'on ne sait rien du tout.
C'est un bon ami qui m'a dit ça un jour. Impossible. Alexios ? Oui. On m'appelait le porteur d'aigle. Mais Icaros est mort depuis longtemps. Je te cherchais. Mais c'est impossible. Tu... Ce n'est pas vraiment moi que tu cherchais, n'est-ce pas ? Ça marche ! L'artefact Issou, le bâton d'Hermès Trismégiste. Tu dois avoir beaucoup de questions, Layla. Tu connais mon nom ? Peut-être que les dieux me l'ont dit, peut-être ai-je eu une vision de l'avenir. Peut-être que l'appareil dans ton oreille fait du bruit. Désolé. Je suis venu ici dans un but précis, te trouver et achever ce que j'ai commencé il y a de nombreux siècles. J'ai ta lance. Tu veux que je te la rende ? Oh, non. Tu peux la garder. Elle est brisée. Mais tu t'en es servi. Elle était puissante. Je m'en suis servi pour triompher d'ennemis que même Hérodote n'aurait pas su décrire. Mais tout a une fin. Je la lui ai laissée quand son pouvoir a été épuisé. En souvenir de moi. J'ai tellement de choses à te dire. Ce bâton a une importance incroyable. Il t'a maintenu en vie, mais... Comment ? Demande à un élève d'Hippocrate. On raconte qu'il en a encore. Ce bâton a rempli son office. Les amis et moi, on essaye d'éviter qu'il tombe dans les mains de l'Ordre des Templiers. Écoute-moi. L'Ordre, le chaos. Si l'un écrase l'autre, le monde meurt. J'ai essayé de mettre fin au chaos. Et ça n'a causé que la ruine. J'ai servi l'Ordre autrefois. Maintenant, je lutte pour le choix, la liberté, le chaos. Pythagore avait raison. Tu es la clé de la prophétie. Tu vas rétablir l'équilibre, Layla. J'ai pris part à trop de guerres. J'ai vu trop de gens mourir. J'ai parcouru la terre de bout en bout. Ceci t'appartient désormais. Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu auras fini, détruis-le. Détruis-les tous. Bon, le diagnostic, qu'est-ce qu'il dit ? Alana récupère les résultats. L'analyse va prendre du temps. En attendant... Kyoshi, on a été coupé. T'es là ? Encore un bug ? Je disais, en attendant, détends-toi. Héritière des souvenirs, le grand saut t'attend. Victoria, t'as entendu ça ? De notre côté, rien. Qu'est-ce que c'était ? Avant, c'était seulement des parasites, comme si on était brouillés. Mais là, je viens d'entendre une voix. Celle qu'Alexios a entendue dans l'Atlantide. C'est peut-être l'effet de transfert. Comme l'a dit Kiyoshi, essaie de te détendre pendant qu'Alana décortique les résultats du diagnostic. Rejoins le sceau, héritière. Le gardien m'a conduite à toi. Son engagement a été respecté. Et je suis désormais liée à toi. Héritière des souvenirs, voici le grand sceau de l'Atlantide. Il attend depuis longtemps cette rencontre. Victoria, la voix d'Aletheia émane du bâton. Victoria ? L'illicite ne peut t'entendre pour l'instant. Tu brouilles mes communications ? Du calme, Layla. T'es pas en train de devenir folle.
Enfin, j'espère. Cette mémoire. Si ce n'est pas un bug de l'Animus, Alexios était le gardien et conservait le bâton pour... moi ? Le bâton était équipé pour les transmissions audio, et il est connecté à ce sceau. Ces symboles... on dirait presque un mécanisme de verrouillage. Nomme ces symboles dans l'ordre, et le sceau s'ouvrira enfin à l'héritière des souvenirs. D'accord, bâton qui parle, mais quel symbole et dans quel ordre ? Doit y avoir un moyen de le découvrir. Le gardien a gardé cette énigme dans son esprit. Altaïr 2, je retourne dans l'Animus. Si le signal passe et si vous pouvez voir mes signes vitaux, tant mieux. Sinon, vous aurez le droit de dire « on t'avait prévenu ». Leila à Altaïr 2. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis. Je ne comprends toujours pas. Une IA ou une autre forme de conscience est dans le bâton qui doit permettre d'ouvrir le grand sceau de l'Atlantide ? En partie. Les symboles de ces tombeaux sont quelque part liés aux symboles du sceau. Mais comment ? Je le dirai, quand j'en aurai trouvé un. Bon, j'imagine qu'il faut te laisser faire. Sois prudente. Ça alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne veux pas vous gâcher la surprise. Mais attendez-vous à être bluffé quand je vais revenir. Le symbole ! Le premier des trois. Très beau travail, héritière. Ça ressemble un peu à une constellation. Leila, tous nos relevés sont brouillés. Tout va bien ? Ça va, ça va. Mais il en reste deux à découvrir. Je vais retourner dans l'Animus. Il y a eu trop de bugs. Leila, il faut qu'on arrête et qu'on découvre ce qui se passe. On arrêtera une fois que j'aurai ouvert le sceau. Leila, terminé. Altaïr 2, j'ai réussi à entrer. Je crois que je fais des progrès. Tu pourras toujours changer de boulot, si Assassin ça te plaît plus. Mauvaise idée, Leila. On ignore quelle est la source des interférences radio, et il y a des divergences temporelles dans les mémoires de l'Animus. C'est noté, docteur. Terminé. Le deuxième symbole n'est pas loin. Tu t'es montré habile en arrivant si loin, malgré l'illicite. L'illicite, tu veux dire Vic ou quelqu'un d'autre ? Le deuxième symbole. Une autre partie de constellation. Peut-être qu'il s'assemble. Altaïr 2, vous êtes là ? L'illicite peut nous entendre. L'illicite ? Qui ça ? Leila, on te reçoit, mais ça coupe tout le temps. Tu as dit que tu avais trouvé le deuxième symbole ? Oui. Et Alexios sait où est le troisième, j'en suis certaine. Je vais replonger. En tant que médecin et en tant qu'ami, j'exige que tu arrêtes. Nous ne sommes pas en mesure de garantir ta sécurité. Le bâton... Le bâton me rend immortel, Vic. Ça va aller. Leila, je t'en prie. Altaïr 2, vous me recevez ? On t'entend. Leila, il y a une chose que tu dois savoir. Les interférences radio proviennent d'une source extérieure. J'en suis presque à penser que quelqu'un nous écoutait. Ce doit être lié au bâton. C'est le souci, oui. J'ai reconnu le schéma des interférences. Ce n'est pas Issou. Ça me fait un peu penser à un algorithme de piratage érudito. Si c'était un piratage, je le saurais. Et puis, une fois que j'aurai le troisième symbole, ça ne comptera plus. Si seulement je connaissais leur ordre. Tu pourrais essayer de deviner. Il n'y a pas tant de combinaisons que ça. J'ignore si j'aurai plusieurs chances d'ouvrir le sceau. Après ça, on regagne l'Atlantide, et je trouverai une solution. Le dernier symbole. Un autre élément d'une constellation. Ils doivent aller ensemble. Altaïr 2, vous me recevez ? D'accord, on réfléchit. Hors du tombeau d'Étéocle, Aletheia a dit que Deimos me montrerait ce que le gardien ne peut pas. Phidias avait des réponses que Terras ignorait et on l'a tué pour ça. L'héritière est sage. Altaïr 2, allez, répondez. Leila, c'est toi ? Tu as trouvé le symbole ? J'ai les trois. Il faut regagner l'Atlantide. En attendant, comparons les symboles que j'ai découverts à des constellations connues. Considérez ces recherches comme un plan B. Le plan A, c'est quoi ? Alexios savait où étaient les symboles, mais il ne connaissait pas leur ordre. Aletheia pense que Deimos détient ce secret. On a son ADN. Quoi ? Leila, tu es folle ? Je suis pas dingue. Je suis impliquée. Et vous devriez l'être aussi. Alors quand je serai dans l'Atlantide, je le ferai, que vous soyez avec moi ou non. Alors, non.
Es-tu brisant? Je m'appelle Deimos. Non, on dit que tu n'es pas réel. Tu n'es pas réel! Oh, je le suis. Regarde, je vais te montrer. Leila, ton rythme cardiaque s'accélère et ta température approche les 39,5. Qu'est-ce qui se passe? Itira! Korgat! Metin! C'est tout ce que je sais! Je t'en prie, crois-moi! Peut-être parleras-tu si je te brise l'autre main? Mais avant, dis-moi... Dis-moi ce que je veux savoir. Itira, Korgat, Metin. Itira, Korgat, Metin. Itira, Korgat, Metin. Leila, on arrête ta session à distance. Itira, Korgat, Metin. Leila, réponds. Vic, tu n'avais pas le droit. J'étais bien obligée. Ta plongée dans l'esprit de Deimos a failli te tuer. L'illicite, il écoute. Il? Sigma, j'ouvre le feu. Doc, repli. Kiyoshi a été touché. Altair 2, répondez. Altair 2, Vic, quelqu'un, vous m'entendez? Le grand saut a suffisamment attendu. Je peux pas. J'ai vu ce que cachait l'esprit de Deimos. Je peux pas contacter l'équipe. L'Animus n'est pas sûr. Les épreuves de l'héritière ne font que commencer. Ton rôle repose sur la force et la résilience. Maintenant, l'héritière doit dire le nom du premier symbole. Ce symbole, c'est le premier que j'ai trouvé. Et le premier nom prononcé par Phidias était Itira. L'héritière se souvient. Elle a entendu le nom des symboles et leur ordre. Maintenant, nomme le deuxième. C'était ce symbole. Et le deuxième nom qu'a donné Phidias était Korgat. L'héritière ne fait pas que connaître les souvenirs. Elle les retient en elle. Et maintenant, le dernier symbole. Je me souviens. Phidias avait découvert l'ordre des symboles, même s'il n'en savait rien. C'était Itira, Korgat, Metin. Leila, tu nous entends? Vic, t'es en vie? Des troupes de Sigma ont attaqué le bateau. Kyoshi a été touché, mais j'ai arrêté l'hémorragie. Il nous a sauvés. Ce n'est pas le bâton. Quelqu'un pirate intentionnellement nos transmissions à distance. J'ai chiffré une nouvelle fréquence, par sécurité. Tant qu'il y a du danger, faut rester sous les radars. Bon, avant qu'on y aille, comment tu vas? Ça fait du bien de vous entendre. Écoutez, j'ai déverrouillé le grand saut. L'Atlantide, elle est ouverte. Je t'en prie, n'y entre pas avant qu'on ait établi une connexion fiable. Je suis aussi impatiente que toi, mais il faut le faire tous ensemble. Entendu, docteur. L'Atlantide patiente depuis longtemps. Elle peut attendre encore un peu. D'ici là, tant que je suis ici, je ne risque rien. Appelez-moi quand Kiyoshi sera sur pied. Il sera heureux d'entendre ta voix. En attendant, l'Altair 2 cesse d'émettre. Quelqu'un m'entend? Victoria? Leila, tu tombes bien. Apparemment, on a réussi à établir une connexion sûre avec du code polymorphe. Impossible à pirater. Ça fait plaisir de t'entendre. Comment va Kiyoshi? Tu le connais. C'est un dur à cuire. Il ne veut pas que tu t'inquiètes.
l'équipe Sigma. Je n'en reviens pas que ces salauds aient trouvé l'Altaïr 2. En fait, notre signal a été altéré par Rode Soberg en personne. Il faut croire qu'il en avait assez de jouer à la Croix Noire et de traquer le culte de Junon. J'aurais dû me douter qu'un de ces fichus pirates d'Erudito s'en prendrait à nous. Tout ça porte leur signature. C'est pas vrai. Otso a tout entendu? S'il annonce aux Templiers du Premier Cercle ce qu'on prépare, on aura tous les hommes de main d'Abstergo sur le dos. Berg ne t'a pas encore trouvé. On a un coup d'avance. Eh ben, si vous êtes là en renfort, qu'est-ce qu'on attend? Voyons ce qu'il en est de ce grand saut. Oui, Victoria. Tu verras. Bon, très bien. C'est parti. Cet endroit est gigantesque. Wouh ! Ça ressemble à des trônes. Mais qui étaient les rois et les reines ? Bonjour, Layla, héritière des souvenirs. Nous nous rencontrons enfin. Il faut croire que les rebelles trouvent toujours une solution. Ravie de te voir, Aletheia, en chair et en os. Ou en hologramme. Nos réalités étaient destinées à se croiser, ce n'était qu'une question de temps. Et il semble que nous ne soyons pas seuls. Victoria ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Layla, c'est beaucoup trop dangereux de te laisser y aller seule. Je tenais à garder un œil sur la situation. Qui est-ce ? Voici Aletheia, la voix du bâton dont je parlais. Unissou, Victoria. Incroyable, n'est-ce pas ? J'ai eu tout le temps d'étudier les nuances du langage humain. Alors j'aimerais être autre chose qu'un bâton qui parle. Tu es sûre qu'on peut lui faire confiance ? Tout va bien, c'est une amie. Elle veut nous aider avec le bâton. J'ai toujours su que l'héritière des souvenirs serait aux côtés d'Alexios, le gardien. Tu n'étais pas aussi visible. Es-tu digne de confiance ? Naturellement, je suis médecin. Et je me dois d'être présente pour garder un œil sur la santé de Layla. Elle ne nous gênera pas. Peu importe. Ce voyage est le tien et celui d'Alexios. Tu auras besoin de force pour résister au pouvoir du bâton. Alexios gagnera du pouvoir pour le bâton et pour lui-même. Et tu ressentiras physiquement ce lien. Pas question d'y envoyer Layla. Une plus grande exposition aux technos de la première civilisation pourrait se révéler dangereuse. Pas moi, Victoria. J'irai dans l'Animus et c'est Alexios qui le vivra. Pas vrai, Aletheia ? Ton périple débutera au même endroit que celui du gardien. L'Animus te montrera son trajet parmi les simulations. Si tu en es sûre, Layla. Il faudra être très prudente. Je serai là pour te suivre avec... elle. Tu es prête ? Prête et motivée. Souhaite ma bonne chance. Victoria, qu'est-ce qu'on n'a pas le temps ! Abstergo nous a trouvés ! Dis à ton chef que je suis prête. Otso Soberg peut venir me chercher lui-même, s'il en a le courage. Mais qu'est-ce qui t'a pris ?
J'avais pas le choix. Ils étaient venus pour nous buter. Même Aletheia a fui vers les hauteurs. Bon sang, tu n'avais pas besoin de les massacrer. Tout va bien en bas? On se serait cru en zone de guerre. Ça va, Alana. Mais il ne se passera pas grand-chose dans l'immédiat. Apparemment, cette mémoire de l'Animus est dans un sale état. Laisse-moi deviner. C'est arrivé quand tu m'as sorti de là? Super. Il manquait plus que ça. Je n'ai pas le choix. Et te plaindre ne va pas réparer l'ordinateur. Les fichiers de mémoire s'écrasent mutuellement. Il va me falloir du temps pour faire le tri. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai besoin de temps. Je ferai aussi bien de repartir en Grèce jusqu'au retour d'Aletheia. Ça n'a pas été si long que ça, pas vrai? J'ai réparé les mémoires, et on peut retourner dans la simulation. Avec Abstergo à nos trousses, il faut agir vite. Tu ne peux pas me reprocher de vouloir avancer. Je ne te reproche rien si tu ne m'en veux pas de ce qui s'est passé. C'est juste que l'Atlantide n'est plus un secret maintenant. Essayons d'aller de l'avant, d'accord? Victoria, il faut que tu me fasses confiance. Je sais ce que je fais. Nous sommes des amis, Layla. Mais par-dessus tout, je suis ton médecin. Je ne peux pas ignorer ce que ton corps a subi là-dedans. Il y a vraiment quelque chose. Je vais bien, et je ne veux plus entendre de conseils de médecin. Ah, je crois que je ne m'y ferai jamais. Elle sort de nulle part. Ravie de te revoir. Je parie que même toi, tu n'avais pas vu venir cette attaque d'Abstergo. Pas exactement. Mais puisqu'ils ne sont plus là, si tu es prête, ton périple du bâton continue. Après un cliffhanger pareil au cœur de l'Élysée, tu parles que je suis prête à Aletheia. Il faut que je connaisse la suite. En interagissant avec les visions du gardien dans l'Élysée, Alexios a échangé des connaissances avec le bâton, et par conséquent grâce à l'Animus. Toi aussi. C'est vrai que... je me sens plus forte. Garde la tête sur les épaules là-dedans. Bonne chance, Layla. Victoria, qu'est-ce que tu as fait? Hey, tout va bien en bas? Coupe la liaison! C'est allé trop loin. Ça suffit, j'arrête. Je peux y arriver. Tu n'es plus toi-même. Et toi, tu fais l'enfant. Regarde-toi! Tu ne vois pas ce que le bâton est en train de créer? Te connecter aux mémoires de Deimos. Te promener dans les enfers. C'est l'effet de transfert. C'est en train de te bouffer. Il faut que tu arrêtes. Rends-le-moi, tout de suite. Non! C'est le bâton ou moi. Il va falloir choisir. Lâche ça! Ça n'en vaut pas la peine! C'est pour ton bien! Debout, Victoria! L'héritière des souvenirs n'aurait jamais fait ça. Fait ça? Victoria était mon amie. Ce n'était pas moi. Cela ne va pas. J'ai besoin de toi. Tu crois que je l'ai fait exprès? C'était le bâton, Aletheia. Je ne suis pas comme ça. Je ne tue pas. L'héritière des souvenirs de ma vision savait raisonner. Ta réaction a été purement viscérale, presque animale. Je crains que ce que j'ai créé pour toi ne puisse rien t'apprendre. Je suis l'héritière des souvenirs. Je peux contrôler le bâton. Écoute-moi. Je sais que j'en suis capable. Ce n'est pas à toi d'en décider. Moi seule juge ta valeur, même s'il est peut-être déjà trop tard. Très bien. Je vais m'absenter un moment. Mais veille à ce qu'il ne lui arrive rien, d'accord? Et ne pars pas. S'il te plaît, je vais revenir. Je n'irai nulle part. Désolée, Victoria.
Mais il faut que je continue. Déjà de retour? Allez, Théa. Je sais que je ne suis pas restée longtemps dans l'Animus, mais ça ne pouvait pas attendre. Je me suis demandé si je devais ou non te laisser poursuivre. J'ai la réponse, mais j'ai peur qu'elle te déplaise. Ne me dis pas que je ne peux pas entrer dans la troisième simulation. Désolée, Layla. Je me suis trompée dans mes calculs et je t'ai intégrée alors que c'était une erreur. C'est clair, maintenant. Il est temps pour toi de quitter l'Atlantide. Tu n'as pas le droit. Pas maintenant. J'ai vu l'Élysée et les Enfers. Tu ne peux pas me priver de ça. Si j'avais su que cette réalité emprunterait cette direction, tu n'aurais rien vu de tout ça. Tu es trop humaine. Ton ADN a succombé au pouvoir corrupteur du bâton. Écoute, je sais que l'effet de transfert est réel, et qu'accéder à la mémoire de Deimos m'a affecté. Mais j'ai étudié les artefacts Issou. C'est la dernière étape de mes épreuves. Quand elles seront terminées, mon ADN pourra surmonter l'emprise du bâton. Peut-être. Mais cela n'arrivera pas. Mes simulations te sont fermées. Je suis désolée, Aletheia. Pour tout ce qui s'est passé. Tu as mis tellement d'espoir en moi. C'est vrai, oui. Mais c'est seulement ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser emprunter ce chemin. Non, c'est faux. Tu avais raison. Tu as vu une chose en moi. Que c'était à moi d'apporter l'équilibre. Et je peux encore le faire, tu sais. Même si j'acceptais de te laisser entrer, tu n'as plus de médecin. Si je pouvais annuler sa mort, je le ferais. Mais je ne peux pas. Et il faut que je continue. D'après ses calculs, ton corps ne sera pas capable d'endurer les simulations. Mon corps va bien. Le bâton a maintenu Alexios en vie des milliers d'années. C'est une garantie de protection. Ton esprit est une autre affaire. Tu n'es pas en mesure d'en évaluer la dégradation. Si tu y réfléchis bien, le bâton soigne, Aletheia. Il pourrait augmenter mon intelligence, ma maîtrise. Me rendre invincible. Aventureuse comme hypothèse. Laisse-moi la vérifier par moi-même. S'il te plaît. Vas-y. Merci, Aletheia. Tu ne le regretteras pas. C'est parti. Je te retrouve à l'intérieur. Et qu'en est-il de toi, héritier des souvenirs? Tu dois t'éveiller et te racheter avant qu'il ne soit trop tard. Ou tu seras celui qui condamnera ce monde. Allez! Éveille-toi! L'illicite t'a trouvé. Allez! Vite! Non! Où es-tu? Layla, Sam, on parle toute seule? Visiblement, l'artefact Issou a eu beaucoup d'effet sur vous. Vous perdez la tête. Monsieur Berg, vous voilà enfin. Très impressionnant. Je savais que si quelqu'un pouvait découvrir cet endroit, c'était vous. Mais vous avez quitté Abstergo avant qu'on vous confie cette mission. Sigma 6 l'a trouvé sans difficulté en écoutant nos communications. On savait que c'était vous. Exact. Ce que vous ignorez, c'est que j'écoutais depuis bien plus longtemps. Depuis votre découverte de l'ouvrage d'Hérodote, dans des recherches sur des vestiges des Templiers que vous avez sûrement pillés. Abstergo est une bande de meurtriers, et vous n'êtes que leurs bras armés. C'est votre point de vue. Mais qu'en est-il de l'équipe Sigma que j'ai envoyée à votre recherche? Tous sont morts. Écoutez, j'ai vu votre dossier dans la base de données d'Abstergo. Je suis au courant pour Elina. Si vous saviez ce que le bâton peut faire pour elle... Je vous interdis de parler d'elle. Comme vous voudrez. Je vous proposais un compromis. Il n'y aura pas de compromis. Je vais emporter l'artefact. Vous êtes une pauvre ordure, Otso. C'est terminé. Certes. Dehors, le monde touche inévitablement à sa fin. Peu importe dans quel camp on est, désormais. Allez! Donnez-moi le bâton. Ça compte encore. Je serai toujours un assassin. Et si vous voulez le bâton, il va falloir venir me le prendre. D'abord Victoria, et maintenant toi. Admettez-le, vous ne maîtrisez pas le pouvoir de la mort. Qu'est-ce que je préfère à propos du bâton ?
Un peu de décence. C'est... l'immortalité. Toujours aussi mesquine. Le truc, Monsieur Berg, c'est que je me fiche que vous creviez. Du moment que je suis débarrassée de vous. Admettez-le, les Templiers ont perdu. Réfléchis, Layla. Plus de communication. Comment demander de l'aide? Vic, j'y arriverai pas sans toi. J'ai essayé de le cacher, mais j'ai peur. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis toute seule. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Reviens. Envoie-moi un signe, au moins. N'importe quoi. Ton oreillette. Quelqu'un m'entend ? Victoria, on a essayé de faire passer les communications. On a perdu les signes vitaux de tout le monde et ensuite... Alana. C'est moi. Layla ? Mais... c'est le canal de Victoria. Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? T'as terminé les épreuves ? Oui, on a le bâton. J'ai bien fini les épreuves, mais... C'est incroyable ! Un authentique artefact Issou, maîtrisé par les assassins ! Ça change tout, ça! Je ne maîtrise rien, Alana, et rien n'a changé. L'illicite, c'était Otzoberg. Il est dans la salle des trônes avec moi. Je t'expliquerai tout, mais les Templiers savent ce qu'on fait, et ils sont à nos trousses. Il faut que tu me sortes de là. Avec toi? Tout va bien? On s'est battu. Il est HS, mais stable. Ne me demande pas de vérifier comment il va. Tu l'as... pas tué? Non. Il est vivant. Tiens bon, Layla. On va venir te chercher, mais ça risque de prendre du temps. Qu'est-ce que tu comptes faire? D'ici votre arrivée, je vais retourner dans l'Animus. Il y a des tas de gens à qui je dois faire mes adieux.